Coucou! Donc j'ai acheté un arbre à chat, je vous ai fait donc la petite vidéo pour tout t'expliquer comment on le monte. Voilà. Coucou, bah voilà, j'ai reçu mon arbre à chat. En photo, il était mieux quoi, parce que là, il y a du taf au montage. Hein. Là, je ferai la petite vidéo une fois montée. Bisous! Bonjour, je vous fais donc une petite vidéo sur l'arbre à chat que j'ai acheté sur AliExpress. Donc je vous fais juste une petite vidéo de tout ce qu'il y avait dans le carton. Donc j'ai reçu un gros carton, vraiment énorme, très lourd. Donc tout était bien entouré de mousse, hein. C'est vraiment bien protégé. Et voilà, donc j'ai plein de pièces, j'ai des grosses planches de bois, recouvertes de mousse. C'est vraiment une finition super. J'ai des kits vis. De fou quoi, j'hallucine sur la qualité. J'ai même le petit tournevis, vous voyez, j'ai le guide et donc les planches sont avec des lettres. Donc, franchement, si j'y arrive pas, je comprends pas. Voilà, tout est bien enveloppé. C'est vraiment super quoi, la qualité est vraiment géniale. Voilà, la petite porte de chat, j'ai tous les petits rouleaux griffoirs, les petits tapis de mousse. Donc c'est. Vivant, je pense à coller sur la petite corde accessoire qui joue. Écoutez, je fais la petite vidéo quand j'aurai. Ça, c'est le petit hamac. Vraiment très contente de l'achat et je vous fais une vidéo quand ça sera monté. Juste après, merci. Alors, première étape, il faut commencer donc à mettre tout ce qui est vis intermédiaire et les petits picots en bois. En fait, ça ressemble donc comme les meubles à monter. Hein. Ça va être des picots comme ça. Vous avez donc le bloqueur de vis là. Et voilà, donc en première étape, il faut monter la petite niche. Donc voilà, j'ai mis des picots en bois, des vis et les petits blocs vis. Voilà, et on tourne comme ça, on bloque les vis. La dernière étape donc de la cage, voilà, j'ai remonté. Donc ça, c'est à visser avec un tournevis. Et donc les picots vont se mettre. Tout seul en place. Alors, je crois que j'ai un trou là. Donc, je pense que ça va être comme ça. C'est vrai. Évidemment, c'est carré, alors ça n'a pas été évident. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Donc, tout est vissé, il n'y a plus qu'à. J'ai juste vissé. Donc, les petites planches, ça se visse. Hein. Ça se visse. Ça se coulisse, pardon, dans les petites fentes. Voilà. Donc, évidemment, il faut mettre les finitions à l'extérieur. Il ne faut pas être trop bête non plus. Donc voilà, j'ai déjà fini le premier morceau, la petite niche de l'arbre à chat, et je continue. Là, je fais la structure, hein, ça commence à bien avancer. Il faut juste fixer les rouleaux avec voilà, une grosse vis comme ça. Donc, on est en dessous la vis, et on va venir donc emboîter les rouleaux tout simplement. Et on a aussi la petite clé fournie évidemment, vous voyez, qui sert vraiment à tout serrer. Donc voilà, j'ai le milieu de la structure. J'avais déjà une pièce métallique. J'avais qu'une pièce d'un côté. Donc comme ça, vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Et les lettres sont marquées sur tout. Toutes les pièces ont des lettres, les rouleaux, tout. C'est vraiment génial. Allez, on continue. Là, ça fait un quart d'heure hein, que j'ai fait, que je commence à le faire, l'arbre à chat. Donc voilà, on a commencé donc faire la petite maison. On a monté et assemblé la petite cage là. Ensuite, il faut donc visser le pied du milieu. Il faut le visser et après on va visser les trois grilles. Après, on va faire donc l'étagère dans le bon sens, hein, vers l'extérieur. Donc on se sert des vis comme ça intermédiaires. Il y a deux bouts. Vis, voilà, et pour consolider, on a des vis vraiment là, des vis fermées avec la petite clé qui est fournie. Là, je viens de mettre la cage, donc voilà, c'est pareil, c'est avec des vis plates. Avec donc la petite clé, vous serrez bien la petite cage, hein, ça a l'air d'être très stable. Voilà, et je continue à la dernière étape. Et voilà, tout est monté, j'ai plus qu'à mettre les accessoires maintenant. Alors, je m'étais trompée là, c'était la vis intermédiaire qu'il fallait mettre là et la vis plate sur le côté.
Voilà, hein, donc j'ai bien regardé la notice, mais bon, c'est toujours des, il y a toujours des petits couacs. Et voilà. Donc ça, c'est fixé avec des vis plates aussi. C'est très, très stable. Hein. Il est magnifique. Allez, je mets les accessoires et ça sera fini. Donc voilà le résultat. Donc j'ai mis le petit hamac. Vous avez un petit hamac. Vous avez donc deux tapis avec des scotch double face. Donc ça, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça bouge pas mal. Et donc la grosse bannette en hauteur, elle est vraiment grande. Et vous avez des petites cordes à fixer. Par contre, j'ai oublié la moumoune. La petite moumoune qu'on va mettre dans la petite cage. Et voilà. Alors là, si les chats sont pas heureux, je comprends pas. Même moi, j'ai envie d'y aller. Donc voilà, je vous conseille vraiment cet arbre à chat. Il est vraiment génial. C'est pas compliqué. Bon, j'ai un peu de problème de main, mais j'ai réussi quand même à le monter, à visser. Voilà. Il y a 8 vis à mettre et des bitonio là. Et après, c'est avec la clé. Voilà, c'est très facile. Et franchement, pour le prix, je vous conseille vraiment 70€ sur AliExpress. C'est vraiment génial. Voilà, je vous embrasse. À plus. Ciao.